Salut à tous, c'est Unwin, nouvelle vidéo sur la chaîne Unwin en vrai, donc elle se trouve en description. Mais aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais aussi une nouvelle série sur du coup, ma chaîne Unwin. Alors, je vous explique comment j'ai eu cette idée, les gars. Donc, c'est en fait GTA 5 vs la vraie vie, donc vs real life. Voilà, en anglais, tu vois, j'ai un peu l'accent. Donc, la salle Eden, bah, n'ont pas encore vu la vidéo. Vous allez la voir en même temps que la salle Eden, du coup. Enfin, vous allez avoir la même réaction, quoi. Ils vont réagir à ma vidéo. Donc, j'explique comment j'ai eu cette idée. Bah, c'est un abonné qui m'a envoyé ça sur Instagram. Et il m'a envoyé, en fait, la toute première vidéo qu'on va voir, la toute première scène qu'on va voir. Il m'a envoyé ça. Et du coup, j'ai eu cette idée de faire, en fait, la même chose sur GTA. J'ai vu que ça existait déjà, par contre. Hein. J'ai vu que ça existait déjà. Mais bon, en tout cas. Est-ce que vous êtes prêt à regarder? Est-ce que vous êtes Ouais, chaud? Vous êtes à zéro, c'est bon, vous êtes à zéro dans la vidéo. on Donc y tout est. le monde, attention, let's go. Après, vous me donnez votre réaction, puis vous pouvez réagir tout au long de la vidéo. Voilà, après quand ça parle, bah, essayez de pas trop réagir, quoi. Enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. En tout Donc on cas, fait jamais pause. non, non, faites jamais pause. Vous réagissez en live, quoi, Ok. comme si vous regardiez une vidéo YouTube, quoi. Ok, Normal. ok. Eh bien, les gars, c'est... Attention, attention, parce que moi, je suis pas à zéro aussi. Eh bien... C'est parti, 3, 2, 1, go! On a runway, we line up all 14 years of Mythbusters history, all the props, the wooden cutouts, the busters, the cars, c'est the avec un planes, drone. The boats, and we Alors, drive right through oui, the center y a pas mal de of caméras, y a pas que so drone. It's a symbolic kind of a thing. Indeed it is. D'ailleurs, cette émission, je l'aimais bien. Voilà, je le dis, mais c'est une émission que j'aime bien. Adams picked the most iconic props from the most je l'ai jamais regardé. The wedge is made of 8 pieces of c'est pas mal, mais par contre, je comprends pas là, c'est quoi ça? Déjà, on a l'avant du Phantom Wedge. Ah oui. Two layers of bulletproof glass should ensure there'll be no driver decapitation. Oh, ils l'ont refait en vrai, quoi, c'est ouf. Mélangé au buggy avant. What? Coming up to 30. Ah, bah, moi, after an epic 14 years, it's time for the runway's last run out. Alors, du coup, c'est GTA ou eux qui alors, sont... Alors là, c'est le Phantom Wedge dans la vraie vie. Et regardez. Hein. And 3, 2, 1. Wow. Oh, shit. C'est choquant, mais comme il est poussé, il est autant poussé dans le jeu que dans... Oh, oh l'avion. Ah, en carton. On se disait. Oh. La voiture, elle a fait 2 secondes. Le caddie de golf. Mais c'est bien parce qu'on retrouve les trucs dans le carton. Ouais. Il va falloir en faire spawn des trucs, hein. Je te le dis. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux pas être tout à fait à ça? Ah ouais, c'est... Ah si, 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 si. Ah si, et avoir un moteur au moins 3 fois plus puissant, hein, vraiment. Ouais, ouais. T'as vu la vidéo comme t'as mis, là. Et le gars, il kiffe à la fin. Oh, yes! Eh, c'est un truc à faire dans sa vie, ça, franchement. Ah, c'est... Ok. Ok. Donc là, maintenant, on est sur GTA, on va voir. Bon, après, bon, c'est pas pour dire la même chose non plus, mais... Bon, ça va, t'as pas abusé, toi, sur ma musique, là, j'entends plus rien. Ouais, pas mal. En fait, quand tu me ralentis, tu vois bien les détails, tu vois. Ouais, c'est pas mal, mais oh, par contre, je suis désolé, je baisse le son, parce que là, j'ai l'impression que je me balance de toile en toile. Moi aussi. Alors. Ah, celle-là, je l'avais déjà vue, par contre, la vidéo-là. Ah non, c'est pas ça. Bah, moi, j'ai jamais regardé, donc ah, c'est si, pas... Ah, c'était ça, je l'avais déjà... Alors, j'étais tombé dessus. Bah, pareil, c'est un abonné qui m'avait envoyé le truc, là. Le blazer à quoi? D'accord, blazer à quoi? Effectivement. Ouais, pareil, c'est un abonné qui m'a envoyé ça aussi. C'était il y a très longtemps ça. Bah, c'est, je crois qu'ils avaient identifié, il me semble. Mais du coup, ça, alors ça, il est pas en vente apparemment. Enfin, il est en vente, mais uniquement pour les professionnels. Ah, c'est un prototype. Ouais, t'as pas le droit de l'acheter parce qu'apparemment c'est dangereux. Par contre, moi perso, j'aurais pas confiance. Hein. Franchement. Hein. Ouais. En quoi c'est dangereux? Bah, je sais pas. Ouais, le fait moi, que je me dis que ça peut couler à tout moment.
Je sais pas, j'aurais peur en fait. T'es sur le coup. En fait, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur que tu fasses des conneries et que tu te casses en mer. Simplement. Ouais, je pense. En tout cas, c'est vrai que bon, bah, on... Tu sais, je me suis dit, on va... Enfin, en fait, je voulais voir... du coup, bah, le Blazer Rako, je l'avais retrouvé en tapant. Et vous allez voir, le véhicule d'après est pas mal. Hein. Vous allez être choqués. Et vous allez, bah, je pense, vous allez reconnaître tout le monde a vu ce film. Vous allez voir. Vous allez reconnaître les acteurs. Je vous spoil pas, mais... C'est vrai que le... Autant dans GTA, le Blazer Rako est bof, autant dans la vraie vie, c'est un truc que j'adorerais avoir. Ah oui, bah oui. Ouais, bah, ouais. C'est faut voir. Tu sais, tu traverses des lacs et tout. Ah oui. Ah bah oui. Bah. C'est-à-dire l'acteur, effectivement, je le connais. Mec, il rampe. Bah oui, c'est Fast and Furious, ça, non? Ouais. Avec la scène du buggy ramp. C'est le buggy ramp de. Bah, en fait, il a été inspiré de GTA. Enfin, la GTA, ils sont inspirés aussi. Ah oui, oui, ils sont inspirés clairement. Ah ouais. Et en plus, d'ailleurs, pour la petite info, bah, je le dis ou pas, je peux le dire. Ouais. Au studio d'Hollywood, justement, bah, il y a le buggy ramp, il y a tous les véhicules en fait de Fast and Furious et. C'est impressionnant de voir ça. Il y a même l'insurgent pour le trailer. Ah ouais, même l'insurgent, ça existe. Ouais, il y a l'insurgent bah, qu'ils ont. Alors, je sais pas si on le voit là, mais l'insurgent. Il est sorti en quelle année le Fast and Furious là? C'est le 6. Celui-là, bah, c'est le dernier, celui-là, je crois. C'est le 6. Non, c'est le 6, ouais. C'est le 6. T'as vu le choc que ça fait? Après, bon, c'est des cascadeurs hein, qui sont dans les trucs. Hein. Parce qu'après, j'ai regardé, tu sais, les scènes. Enfin, bah, attendez, je sais ce qu'il fait, puis après. Ah. Magnifique. Alors, par contre, je crois que... Moi, je pense que je kifferais plus conduire le fantôme dans la vraie vie que le buggy. Enfin, je sais pas en fait. Je crois que le making of de film, je crois que en vrai, le buggy ramp, il fait pas ça. Enfin, la vraie voiture, elle fait pas ça. Et par contre, c'est magnifique. À fond. Tu sais, t'es bloqué sur l'autoroute, moi j'y vais. Hein. Ah, buggy ramp, par contre, je préfère celui de GTA. Ouais, tu ouf. Ouais, il est mieux fait. Hein. Bah, ils sont inspirés. Il envoie les véhicules sur la lune, quoi. C'est ça. Bah, regarde, hein, tu peux le voir. Comment il va les C'est juste un niveau musique, hein. C'est vrai. Je te l'accorde. Bon, après, juste... Après, bon, c'est parce que c'est le test, mais moi je t'aurais conseillé de carrément le faire sur l'autoroute, hein. Vraiment. Tu l'aurais fait sur l'autoroute, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, je sais, je voulais prendre la police, je voulais faire un. Mais c'était pas mal, t'as vu comment il envoie le camion, shit, hein. Tout à fait. Alors, toi, t'es en. Enfin, moi, ouais, bref, je suis en poche en retard, et voilà, hein, j'espère. Finish. Pourquoi. Non, il vient d'envoyer le camion, là. Ah, là, oui, il vient de l'envoyer, ouais, c'est ça. Waouh. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ouais. Effectivement, et c'est coup, vraiment pas coup, mal. Le buggy ramp, c'est. J'aurais peur de l'avoir en vrai parce que si jamais tu sais, tu restes bloqué, déjà tu dois subir des chocs. Mais c'est magnifique quoi. Le meilleur, ça reste le fantôme. Hein. Voilà. Alors, du coup, voilà, bah, je voulais vous poser la question. Parmi ces trois véhicules, déjà, lequel vous kifferiez rouler dans la vraie vie déjà? Franchement, le fantôme. Ouais, le fantôme, hein. Le fantôme, je le trouve bien. Moi, je veux bien le Blazer Rako. Blazer Rako, toi? Dans la vraie vie, tu veux faire ça que le fantôme? Ouais, c'est vrai que. C'est vrai qu'après, bah, le fantôme... jet ski, quoi. Ça fait jet ski, ça fait tout, quoi. C'est juste magnifique, en fait. Ah, le fantôme. Le fantôme aussi, toi? Fantôme? Fantôme, la salle de. Fantôme, le moi, je trouve que c'est plus sécurisé, on va dire. Ouais, mais t'es fou. Mais j'aime bien. Sur un truc, ça peut te faire un choc après. Hein. Ouais, mais quand tu regardes, c'est un camion, il peut pas prendre feu le diesel, tu vois comment? Eh bien, ouais. C'est là où tu te dis, ouais, au moins c'est sécurisé. En tout cas, voilà. Bah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Enfin, la salle est donne. Du coup, n'hésitez pas. Bah, j'aimerais bien comme connaître votre avis. Bah, moi, tu veux que je like? Tu veux que je like? C'est sa nuit. Tu veux que je like? Allez, je vais like. C'est pour toi, je like. Non, mais faut le dire, c'est tout. Tu veux que je mette un like à nul parce que j'aime bien, c'est bien.
Non, franchement, c'est bien, et puis je trouve ça satisfaisant dans la vraie vie de voir les véhicules de GTA en fait dans la vraie vie et de voir que que c'est en fait c'est magnifique quoi. Tu kifferais Mais la du voir coup, quoi. par exemple, pour tu vas faire un épisode 2, je suppose. Bah, épisode 2, ouais, je suis en train de voir. Bah, j'avais trouvé d'autres véhicules parce que de base Ok, j'avais parce que fait du plus de coup, moi véhicules. j'ai pensé à un truc. Alors, après, c'est mon avis, hein, tu fais ce que tu veux. Du coup, est-ce que ça serait pas bien, enfin, en tout cas, à la salle, tu me dis, hein, est-ce que ce serait pas Ouais. bien que Unwin, il teste. Unwin, non, parce que c'est Unwin qui fait la série. Unwin, moi, je te vois bien, tu testes le parachute. En vrai, version GTA, tu vois. Ah ouais, bah c'est un véhicule, enfin un véhicule, ouais, C'est quelque chose qui. c'est quelque Voir comment ça chose. fait. Alors, C'est tu un mode sautes de avec ton déplacement, c'est ça masque que tu comme voulais ça. dire. Non, parce que c'est vrai que je veux bien devoir faire un saut en parachute parce que ça a l'air d'être pas mal. Ah ouais. En tout cas, voilà, bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis voilà, moi, franchement, j'ai bien aimé le faire. En tout cas, j'ai bien kiffé. En tout cas, Oui, si vous c'est bien. voulez un épisode 2, vous mettez un petit pouce bleu et vous me dites en commentaire, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bye! Bye.